il est terminé, c'est bon. On peut plus. Il peut plus fonctionner. Ils vont m'ouvrir, quoi. Pour moi, c'est pas difficile. Mais pour vous, je sais, c'est difficile. Comme tous les jours, Ahmed. Non, Ahmed, comme tous les jours. Ça y est. Allez, ça y est. Ça y est. Une fois. Après, ça y est, d'accord. Ça y est. Hein? Oui. Allez, bismillah. Allez. Bismillah. Un, deux. C'est bon. Dans la vie, il faut jamais se plaindre. Est-ce que tu as eu peur de pas guérir? Non. Je croyais en Dieu et voilà. Et tu demandes quoi à Dieu? Je lui demande d'être un enfant normal, de boire de l'eau, d'aller faire mes besoins. Et de guérir et quelqu'un me donne un. Au tout début, je buvais beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup. Et j'avais le cœur à droite. Mon rêve, il est terminé, c'est bon. On peut plus. Il peut plus fonctionner. Ils vont m'ouvrir, quoi. Le ventre, pour moi, c'est pas difficile. Mais pour vous, je sais, c'est difficile. Comme tous les jours, Ahmed. Non, Ahmed, comme tous les jours. Ça y est. Allez, ça y est. Ça y est. Une fois. Après, ça y est, d'accord. Ça y est. Hein? Oui. Allez, bismillah. Allez. Bismillah. Un, deux. Non, il y en a plusieurs, il n'y a pas que moi. Jamais tu t'es plaint? Non, dans la vie, il faut jamais se plaindre. Et est-ce que tu as eu peur de ne pas guérir? Non. Je croyais en Dieu et voilà. Et tu demandes quoi à Dieu? Je lui demande d'être un enfant normal, de boire de l'eau, d'aller faire mes besoins et de guérir et quelqu'un me donne la rente. Tu as senti que tes parents étaient inquiets? Oui, bien sûr. Je leur disais, c'est pas grave, maman, c'est pas grave. Moi, je lui disais, c'est pas grave, moi je vais guérir un jour. Normalement, c'est les parents qui raisonnent les enfants. Voilà. Moi, c'est l'inverse. Tu te fais mal un petit peu quand tu fais? Non. Non. C'était bon. Papa, il n'était pas obligé de me donner un rein. Mais c'est lui qui s'est consacré à me donner son rein. Et je le remercie. Tu l'as remercié? Ouais. Je lui ai fait un bouquet de fleurs et une carte. C'est quoi la différence entre maintenant et avant? Déjà, j'allais pas aux toilettes pour faire mes besoins. Maintenant, je vais faire mes besoins. C'est un rêve. Je rêve d'être un médecin de pompier. J'aimerais sauver des vies. Il faut pas se plaindre dans la vie. Il y a toujours une solution. Courage. Voilà, c'est ça. Le courage, c'est avant tout. Tout peut s'arranger.